Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose la pâte sablée. Très facile à réaliser. Pour cela, nous aurons besoin de la farine, du beurre froid, du sucre, un jaune d'œuf, un peu d'eau et une pincée de sel. Dans un bol, je fais dissoudre le sel dans l'eau. Je mélange et je réserve pour la suite. Je tamise la farine dans le saladier. Ceci afin de la rendre plus fluide. À la farine, j'ajoute le sucre, le beurre froid. Je travaille le tout du bout des doigts. Je frotte délicatement ce mélange entre mes mains jusqu'à obtenir une texture qui rappelle le sable. Forme un puits. J'y verse le jaune d'œuf et l'eau salée. Je mélange rapidement sans donner trop de corps à la pâte pour ne pas la rendre élastique. Pour plus d'idées de recettes, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je forme une boule. Farine légèrement le plan de travail. Je fraise la pâte trois fois. Poussez-la. Puis écrasez-la afin de bien mélanger tous les éléments sans la rendre élastique. Ceci jusqu'à obtenir une boule de pâte lisse. J'emballe soigneusement dans le film étirable. Réserve au moins 30 minutes au réfrigérateur avant son utilisation. Cette pâte se conserve 3 jours au réfrigérateur ou plusieurs semaines au congélateur. À bientôt pour de nouvelles vidéos.